Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Ici le Mont Ventoux où va se juger dans un peu plus d'une demi-heure l'arrivée de la 11e étape du 59e Tour de France cycliste. Nous rejoignons tout de suite ce groupe de tête qui, à moins de 17 km de l'arrivée, après 4 km de l'ascension, avait déjà réussi à prendre les devants. Vous avez reconnu Eddy Merckx, vous avez reconnu Van Impe. Ce groupe de tête était constitué, il y a encore un instant, de deux Schoenmaker, Merckx, Poulidor, Ocaña, Van Impe, Van den Bosch, Zoetemelk, Thévenet, Martinez, Mendes, Agostinho. Un peu plus tard, Mendes et De Schoenmaker étaient lâchés. Il ne restait que 9 en tête. À 30 secondes survenaient Gimondi, Mortensen, Édouard Janssen, Svertz, Labourdette, Vandeville, Guimard. À 50 secondes, David, Schaap. À 55 secondes, Prinzen, Puchel, Aymar, Ubrecht, Catiau et Koundé. À 13 km de l'arrivée, toujours donc dans l'ascension et dans ces faux plats, vous savez qu'ils sont nombreux de ce côté, il y avait les 9 hommes de tête, les favoris du classement général. À 15 secondes, Gimondi, De Schoenmaker et Mendes, ces deux derniers ayant été lâchés. Ensuite, un peu plus tard, à 45 secondes, l'ancien maillot jaune Guimard, accompagné de Volschol, Prinzen, Janssen, Svertz, Vandeville, Labourdette, David, Puchel et Volschol. Il est bon de vous dire qu'Eddy Merckx au classement général, avant la fin de cette terrible 11e étape, longue de 210 km où le vent n'a pas été favorable pendant les trois quarts du parcours, Guimard est à 2,39, Ocaña à 2,56, Gimondi à 83, Hésard à 6,11, Poulidor à 6,29, Zoetemelk à 6,51, Thévenet à 10,38, Van Impe à 10,47 et Martinez, qui faisait partie du groupe de tête il y a encore un instant, à 14,07. Dans les autres favoris, nous trouvons Zilioli à 17,56, Agostino à 18,05, Ubrecht, un bon grimpeur, à 18,40. Voilà donc pour ce début d'étape, ce début d'ascension du Ventoux. Vous remarquez ici en tête la présence du petit Lucien Van Impe à droite qui vient de se retourner. Le numéro 62, peut-être les numéros vous serviront-ils à retrouver tout de suite les hommes, c'est évidemment Luis Ocaña et son maillot blanc. Il y a juste devant, j'ai bien l'impression, Eddy Merckx et son maillot jaune, toujours le petit Van Impe à droite et à gauche là-bas, ce doit être, et c'est bien lui, le numéro 76, Raymond Poulidor. Nous sommes ici avec la tête, le forcing, le train est mené par Eddy Merckx avec Raymond Poulidor qui vient de prendre le relais. Ocaña en troisième position, les spectateurs qui aspergent les quatre hommes de tête et Van Impe qui est donné comme l'un des favoris de cette étape en quatrième position. Avant de rejoindre Richard Diot avec la moto, je vais demander à Denis Ferdet le dernier écart car il a notre micro à chef à côté des moyens d'information là-bas, tout près de la ligne. Denis, est-ce que vous avez le dernier écart pour les quatre et les autres qui faisaient partie de ce groupe de tête? Pour l'instant, pas de Denis Ferdet. Nous rejoignons Richard Diot avec les coureurs. À vous, Richard. Il devrait être 5 en fait, car Martinez faisait partie de ce petit groupe de tête, mais il a été retardé par un incident mécanique. Je devrais même dire qu'il devrait être 6, car Agostinho est tombé il y a quelques instants, alors que vous venez d'assister là à un nouveau démarrage d'Ocaña, le troisième depuis le début de l'ascension du Mont Ventoux. Mais Ocaña a été immédiatement contré par Merckx. Les deux hommes sont rejoints d'abord par Poulidor et dans quelques secondes par le 32 qui est le jeune Belge Lucien Van Impe. Derrière, un homme navigue entre ce quatuor de tête et un petit groupe comprenant notamment Van den Bosch, Martinez, Thévenet, Zoetemelk, Gimondi. Il s'agit du Portugais Agostinho qui a failli revenir il y a quelques instants, qui était pratiquement dans le sillage de nos motos, mais qui, à la suite des deux démarrages d'Ocaña, a dû, je pense, maintenant définitivement renoncer à revenir sur ce quatuor. L'homme qui a fait la plus grosse part du travail depuis le début de l'ascension, c'est évidemment Merckx, qui a contrôlé les premiers kilomètres de la course en compagnie de ses équipiers, notamment Bruyère, De Schoenmaker, Huysmans, Inven et Van den Bosch, qui ont mené un train très rapide pendant les trois premiers kilomètres pour empêcher Ocaña de placer son démarrage meurtrier. Richard ? Oui. Je vais demander parallèlement à Gilbert Larriega peut-être s'il est possible de voir une vue aérienne pour voir les écarts alors que Van Impe est lâché, seul reste en tête pour l'instant Poulidor, Merckx et Ocaña, le trio des favoris pour cette étape. Rappelons que Poulidor avait remporté cette épreuve en 65. Pour l'instant, il ne nous est pas possible de vous montrer l'écart, mais je crois par contre, Richard, car nous sommes quand même encore à quelques 10 km du sommet, que nous pourrons aller un peu derrière, voir l'effort de Gimondi et pourquoi pas l'effort d'Agostino tout en réussissant un pointage au bord de la route. Alors je vous rends l'antenne pour ce pointage.
Je pense que nous allons pouvoir voir Gimondi à l'arrière, Agostino et pourquoi pas Guimard s'il n'est pas trop loin. Oui, effectivement, je pense que dans quelques instants, je suis d'accord avec vous, nous irons voir derrière ce qui se passe. En ce qui concerne Guimard, je pense qu'il est déjà trop tard. Guimard est beaucoup trop loin maintenant pour que nous puissions aller le voir. En revanche, nous irons voir Agostinho, Gimondi, Thévenet, que j'aperçois là-bas à 200-300 mètres. Et vous avez pu voir il y a quelques instants que Van Hymme avait été définitivement lâché. Plus que trois hommes en tête, les trois grands favoris de ce Tour de France. Vous voyez, dès que la route s'élève, on retrouve les trois numéro 1 de ce Tour de France. Le numéro 1, en fait, Merckx, le 76, Poulidor, et le 62, Ocaña. Derrière, toujours Van Hymme, et un peu plus loin, Agostinho et Gimondi. Je pense que nous devrions maintenant, Gilbert Larriga et Michel Lelio, si vous êtes d'accord, aller derrière, car nous reviendrons sur les trois hommes, alors que Ocaña vient de placer de nouveau un démarrage. Nous avons bien fait de rester encore un peu avec Ocaña, qui a regardé sous son bras, de sa façon bien caractéristique, pour voir si Merckx était toujours là. Eh bien, Merckx est toujours là. C'est d'ailleurs le seul qui est resté dans sa roue. Poulidor est légèrement décroché, mais Poulidor va revenir, je pense. Richard ? Oui ? Je viens de compter le nombre de pédalés à la minute de Merckx et Ocaña. Je pense que vous pourrez me le confirmer d'ailleurs. Merckx est sur un peu plus petit développement, vraisemblablement le 22 à l'arrière. 22 dedans, il y a pour Ocaña 60 pédalés minutes et pour Merckx 68. Donc pour l'instant, Ocaña emmène un développement plus conséquent que Merckx. Et Poulidor revient maintenant, lui qui avait triomphé, rappelons-le, en 67, qui connaît bien ce Ventoux et qui se réserve peut-être, laissant ainsi les deux favoris de cette étape, Merckx et Ocaña, en découdre à l'avant alors que tous les autres sont peut-être lâchés. Grâce à l'hélicoptère, voici maintenant l'écart. Vraisemblablement juste derrière Félix et Gimondi, mais également ceux qui appartenaient tout à l'heure à ce groupe de tête, à savoir le petit Van Hymme qui a été l'un des derniers lâchés, à savoir également Zotemelk et Thévenet. Peut-être maintenant pourrons-nous faire l'écart avec les hommes de l'arrière en allant voir justement ce qui se passe derrière Ocaña et Poulidor. Nous allons dans quelques instants aller voir ce qui se passe derrière, mais il ne faudra pas rester trop longtemps car vous avez pu constater. Ocaña placé à un démarrage pratiquement tous les kilomètres. Il en a déjà placé 4 ou 5 depuis le début de l'ascension. Et pour l'instant, toujours les trois coureurs de front. Poulidor à gauche, Merckx au milieu et Ocaña à droite. Le fait que Merckx soit au milieu ne signifie pas que les deux autres coureurs, c'est-à-dire Poulidor et Ocaña, se coalisent contre Merckx, absolument pas. Et si les trois hommes roulent de front, c'est pour s'impressionner mutuellement, pour faire croire à l'adversaire que l'on marche mieux que lui, que l'on est plus fort que lui. Et on vient à sa hauteur, on essaye de placer un quart de roue avant la roue avant de l'autre. C'est ce qu'essaye de faire actuellement Merckx pour tenter d'impressionner Luis Ocaña. Luis Ocaña qui va, je pense, dans quelques instants placer de nouveau un démarrage. Poulidor qui monte de sa façon bien caractéristique, vous reconnaissez, toujours sur ce pédale, alors que Merckx et que Ocaña, eux, ne quittent pas la selle de leur vélo. Poulidor est le seul à monter en danseuse, comme on dit. Comme vous l'avez dit très justement, et vous avez pu le voir tout à l'heure, Luis Ocaña utilise un plus petit développement de Merckx. Je ne donnerai pas de chiffres, je ne sais pas quelle est la denture utilisée par ces hommes, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, Luis Ocaña, qui est précisément un spécialiste de la montagne, Richard. Il y a un développement intermédiaire. Et derrière, Van Hymme toujours, mais maintenant très très loin. Alors, je pense là que nous devrions aller voir très rapidement ce qui se passe derrière. Je pense que si Jacques Aviron m'entend et si Gilbert Larriaga m'entend, eh bien, nous allons aller voir derrière ce qui se passe. Un nouveau démarrage là de Raymond Poulidor. Un faux plein. Oui, je crois, Richard, que malheureusement, pour l'instant, vous savez qu'il y a des zones d'ombre dans l'ascension du Ventoux au fur et à mesure que nous approchons des lacets vers le sommet, et étant donné la présence d'un émetteur très puissant au sommet du Mont Ventoux, justement, il y a parfois quelques ennuis pour correspondre avec vous. Aussi, pour l'instant, en attendant que tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes, nous allons rester avec ce trio de tête et Merckx qui assure, bien évidemment, le train, ce Messie d'Ocaña qui, lui, va encore essayer de porter des estocades, les premiers démarrages sérieux d'Ocaña depuis le départ de ce Tour de France, alors qu'on en est, il est vrai, à 2000 km de course. Mais même si le verdict de ce Mont Ventoux
ne modifie pas énormément ce soir le classement général en ce qui concerne notamment Merckx, Ocaña et Poulidor. Je dois vous dire que le rythme des prochaines étapes est stupéfiant et affolant même pour les coureurs cyclistes, car il y aura encore des arrivées au sommet et il y aura une multitude de cols à franchir. Nous entrons dans la semaine décisive, le compte à rebours est déclenché, un peu comme à Cap Kennedy, et on ne sait pas encore quelle sera la fusée lancée vers les sommets de ces trois. Poulidor semble monter tranquillement à sa main, il connaît merveilleusement le Ventoux, alors que Merckx s'esclade pour la première fois sur cette face ici, puisqu'il avait triomphé, vous en souvenez, en 70, sans précédent d'ailleurs, Vandenbosch et puis le petit Van Nîmes de 1 minute 1 seconde, mais c'était de l'autre côté, sur la face sud du Mont Ventoux. Ici, je vais attendre bien évidemment que la caméra se rapproche du coureur qui a été vraisemblablement lâché. Il s'agit, puisque c'est un maillot à damier de l'équipe Peugeot, de Bernard Thévenet. Bernard Thévenet va-t-il revenir vers l'avant? Je ne sais pas, mais Richard, oui? Oui, effectivement, nous sommes en compagnie de Thévenet et de Martinez. Thévenet a été lâché régulièrement tout à l'heure. En revanche, Martinez, lui, a été victime d'un incident mécanique qui l'a retardé. Comme vous avez pu le constater, nous nous sommes arrêtés pour voir où en étaient les hommes derrière le trio de tête. Nous allons rester très peu de temps avec Thévenet et avec Martinez. Nous allons remonter maintenant, je pense, Jacques Aviron. Il ne faut pas trop s'attarder car il y a un gros peloton de voitures et de motocyclettes à passer. Et il faut absolument, bien entendu, terminer l'ascension du Mont Ventoux avec les trois hommes de tête qui ne seront plus trois dans quelques instants. Nous quittons donc Thévenet et Martinez. Gimondi est beaucoup plus loin là-bas en compagnie de Zoutmelk. Thévenet et Martinez que nous laissons maintenant. Thévenet qui semble beaucoup souffrir, non seulement de la chaleur, mais aussi de ses blessures qu'il avait reçues il y a quelques jours dans l'étape de Lujon. Maintenant, nous allons passer aux côtés de Agostinho et de Van Nîmes qui sont à 150 mètres, c'est tout, les trois hommes de tête. Voici Agostinho, numéro 46, et Van Nîmes, numéro 32. Van Nîmes qui faisait partie tout à l'heure du groupe de tête qui a été lâché alors que Agostinho, lui, est tombé. C'est le seul coureur du groupe des 12 qui avait entamé l'ascension du Ventoux en tête. Agostinho est le seul qui était victime d'une chute, alors qu'un spectateur la prend beaucoup de risques pour arroser Lucien Van Nîmes et a failli causer encore un accident dans les derniers kilomètres de ce Ventoux. Van Nîmes, Agostinho qui sont maintenant dans les voitures, dans le sillage des voitures et qui vont peut-être profiter de cet abri momentané pour revenir sur le trio de tête. Nous allons peut-être assister à une jonction entre Agostinho, Van Nîmes d'une part et Poulidor, Merckx, Ocaña d'autre part. Voilà, je pense que cela va être chose faite dans quelques secondes, dans quelques mètres maintenant. Vous pouvez peut-être apercevoir là-bas Ocaña, Merckx et Poulidor qui sont rejoints ici même par Van Nîmes et par Agostinho. Cinq hommes en tête maintenant, Merckx, Ocaña, Poulidor, Van Nîmes et Agostinho. Le retour de Van Nîmes est assez surprenant. Il a été lâché tout à l'heure, il ne semblait plus pouvoir revenir et maintenant il retrouve une deuxième jeunesse en quelque sorte. Il semble beaucoup plus à l'aise, mais nous verrons tout à l'heure si c'est une impression ou si au contraire Van Nîmes a dû produire un effort très violent pour revenir sur Merckx, Ocaña et Poulidor. Toujours les mêmes positions, Merckx au milieu entre Poulidor à gauche et Ocaña à droite et derrière le 46 Agostinho et le 32 Van Nîmes. Richard. Oui, un écart peut-être avec Gimondi, Jean-Michel, ou Guimard peut-être. Oui, je vais demander en précisant donc que pour l'instant il y a 5 hommes en tête, Ocaña, Merckx, Poulidor, Van Nîmes et Agostinho. Et Denis Ferdet a peut-être un écart, lui, avec le groupe Gimondi ou même avec Thévenet. À vous, Denis. Eh bien oui, en effet, Jean-Michel, Thévenet se trouve, lui, avec Martinez à 30 secondes et à 45 secondes, nous trouvons Gimondi en compagnie de Joop Zoutmelk à 1 minute 05. Nous trouvons Janssen, Edouard Janssen, le Belge, et à 1 minute 25, nous trouvons Cyril Guimard et Martin Vandenbosch. Voilà le dernier pointage effectué à 6 km du sommet. D'accord, un démarrage sûrement à vous, Richard. Oui, effectivement, un autre démarrage d'Ocaña que vous avez laissé prévoir tout à l'heure. Ocaña a conservé dans son sillage que Eddy Merckx. Poulidor est lâché, ainsi d'ailleurs que Van Nîmes et que Agostinho, qui ont été les premiers à lâcher prise. Agostinho et Van Nîmes sont distancés. Nous allons maintenant nous porter en tête avec Merckx et Ocaña. Poulidor va peut-être revenir une nouvelle fois sur le fameux duo Merckx-Ocaña. Voilà, Poulidor revient encore une nouvelle fois. À chaque fois, Poulidor plie mais ne cède pas. Le fantastique Poupou revient encore là, un peu plus difficilement maintenant, il faut le reconnaître, mais ses vieilles jambes le portent encore fort bien. Et Poulidor rejoint maintenant de nouveau
Merckx et Ocaña. De nouveau, trois hommes en tête, donc Merckx qui mène maintenant Ocaña et Poulidor. Vous voyez, c'est Ocaña qui, en quelque sorte, fait la course, qui provoque les démarrages, qui provoque les défaillances des coureurs, mais c'est Merckx qui, une fois le regroupement effectué, assure un rythme plus régulier. Il est évident que Merckx préfère un rythme régulier, alors que Ocaña, lui, préfère les à-coups, les démarrages, pour tenter de briser le rythme régulier de Merckx et aussi le rythme de Raymond Poulidor. Oui, je crois. Oui, je vous en prie. Oui, je crois d'ailleurs que Van Impe et Agostino n'avaient aucune chance ici de contrer et de pouvoir rivaliser avec Ocaña, car l'effort qu'ils venaient de faire sous nos yeux pour rejoindre le groupe de tête a été quand même assez étonnant. Ils sont revenus très très vite, vraisemblablement sur une partie de faux plat, et ensuite le contre d'Ocaña a été porté non pas peut-être pour lâcher Merckx, mais surtout pour décrocher une nouvelle fois Van Impe et Agostino. Quant à Poulidor, cela confirme ce que je vous disais tout à l'heure, il monte à sa main, ne se méfiant pas trop des tentatives de démarrage de Luis Ocaña, et alors qu'Eddy Merckx lui continue à son train habituel, ne se montant pas en danseuse, vous l'avez vu, il reste bien assis sur sa selle et il va vraisemblablement emmener ce même développement jusqu'en haut sans même se mettre en danseuse, si ce n'est peut-être pour rejoindre Luis Ocaña à chacun de ses démarrages. Quel est actuellement, car nous sommes pour l'instant, et je vous le confirme, Richard, obligé de rester avec l'hélicoptère dans un lacet, je vais demander en tout cas, alors que nous avons des ennuis mécaniques avec la moto M-Métrice, je vais demander à Denis Ferdet de nous donner les dernières positions, en particulier en ce qui concerne le groupe dont il nous parlait tout à l'heure, à savoir le groupe Gimondi-Zotmel, qui est le groupe Janssen-Vandenbosch. À vous, Denis. Écoutez, Jean-Michel, nous n'avons pas de nouvelles informations ici. Toujours Gimondi et Zotmel qui a 45 secondes. Et on pointait Edouard Janssen à 1 minute 05. À 1:25, nous trouvions Guimard et Martin Vandenbosch. 1:25 pour Guimard. Donc, est-ce que vous avez la distance par rapport au sommet, Denis? Oui, nous devrions être maintenant, voilà, je pense, le nouveau pointage à moins de 5 km du sommet, à 5 km. On passe aux 5 km exactement, Jean-Michel. Très bien, et malheureusement, nous ne pourrons pas et voir voilà, 10 l'effort. Secondes. Oui, 10 secondes. Derrière Ocaña, Merckx et Poulidor, nous trouvons donc... À 10 secondes. Thévenet et Van Impe à 10 secondes. À 20 secondes, Martinez. Et à 25 secondes, nous trouvons Thévenet. Ah. Gimondi, lui, maintenant, est à 40 secondes. Et à 45 secondes, nous trouvons Zoutmelk. Vous voyez que tout va très vite maintenant et que Gimondi semble revenir sur les échappées. Oui, d'ailleurs, d'après les derniers temps que vous aviez tout à l'heure et ceux que vous venez de nous donner maintenant, je vous demande d'ailleurs, dans quelques secondes, de nous les reconfirmer, car deux fois Thévenet a été cité. Je crois qu'il est vraisemblablement à quelque chose comme 25 secondes. Eh bien, pense que pour l'instant, nous ne pouvons pas rejoindre ces trois hommes de tête, car la moto émettrice ne pourra plus nous accompagner jusqu'au sommet. Et grâce à l'hélicoptère, nous verrons quand même la bagarre et vraisemblablement les démarrages d'Ocaña, car s'il y aura un démarrage de Merckx, il aura lieu vraisemblablement dans le dernier kilomètre. En attendant, si un homme part ici de cette vue aérienne, vous verrez un maillot se détacher, ce sera vraisemblablement Luis Ocaña, mais Richard pourra nous le confirmer avec la moto. Eh bien écoutez, en fait, c'est Raymond Poulidor qui, il y a quelques secondes, a tenté de démarrer. Il a été évidemment immédiatement rejoint par Merckx et Ocaña, mais en fait, au démarrage, aussi violent que ceux de Ocaña. Pour l'instant, Poulidor et Merckx sont côte à côte. Luis Ocaña est légèrement décalé dans la roue de Merckx. Je pense qu'il prépare un nouveau démarrage. Il reste très peu de kilomètres pour Ocaña s'il veut combler une partie de son retard au classement général. Ocaña étant à 2,56, je ne pense pas, bien entendu, qu'il puisse prendre 3 minutes à Merckx aujourd'hui. Du reste, il est vrai, la fameuse étape d'Orcières-Merlette demain pour tenter d'enlever le maillot jaune que porte Eddy Merckx depuis quelques jours. Toujours Merckx, Poulidor, une légère accélération de Poulidor de nouveau. Vous voyez, Poulidor se porte fort bien, il est là aux côtés de Merckx. Luis Ocaña est derrière, mais je pense que c'est pour une raison tactique et que Luis Ocaña va encore démarrer dans quelques secondes. J'ai l'impression qu'il prépare son démarrage. Vous voyez, peut-être de temps en temps, dans l'hélicoptère, Poulidor lui monte souvent en danseuse, alors que les deux hommes, les deux autres coureurs, Merckx et Ocaña, eux, sont toujours assis. Pour l'instant, c'est Ocaña qui est debout sur les pédales, mais qui n'a pas encore porté une nouvelle attaque, alors que nous sommes, Roger Falaise, à un peu moins de 3 km de l'arrivée. Oui, vous me le confirmez, merci Roger. 3 km de l'arrivée environ, et trois hommes en tête de Poulidor, Merckx et Ocaña, qui vont être de nouveau rejoints, je pense, à moins qu'il y ait une nouvelle attaque en tête, qui pourrait être rejoint dans quelques instants par Martinez, Van Impe et Agostinho, qui sont là à 20 mètres des trois hommes de tête. Je pense que s'il n'y a pas un débarrage de Ocaña ou de Poulidor, je pense que nous allons avoir de nouveau 6 coureurs en tête. Richard. Le seul coureur, Jean-Michel, qui n'a pas porté d'attaque encore depuis le début de l'ascension du Ventoux, c'est tout simplement Merckx.
Oui, effectivement, il monte à son train. Et je pense que s'il y a un regroupement, en particulier de Martinez, Van Impe et Agostino qui sont juste derrière, à ce moment-là, il y aura une autre tentative, comme tout à l'heure, de Luis Ocaña. Mais Denis Ferbey a peut-être de nouveaux écarts. Eh bien oui, les écarts sont maintenant de 10 secondes derrière les trois hommes de tête pour Agostino et Van Impe. 25 secondes pour le Martinez. Nous trouvons à 30 secondes Bernard Thévenet. Gimondi à 40 secondes, à 55 secondes Zoutmelk, à 1 minute 05 nous trouvons Edouard Janssen et enfin à 1 minute 25 Cyril Guimard. 1 25 pour Guimard à 3 km du sommet. Les coureurs arrivent maintenant dans une zone où il y a beaucoup moins d'arbres. Il n'y a pratiquement plus d'ailleurs de végétation, vous le savez, au sommet du Mont Ventoux. C'est uniquement de la rocaille et les coureurs doivent être à peu près à 1600 mètres d'altitude, l'arrivée se suitant à près de 1900 mètres. Toujours les trois hommes groupés, vous voyez, et leurs ombres et leur dos ici. Vous savez que l'hélicoptère est obligé quand même de prendre quelques risques aujourd'hui pour descendre au maximum, car il est maintenant prouvé que, à cause d'un petit incident mécanique, malheureusement, la moto émettrice image ne pourra pas nous rejoindre. Mais je crois que les hommes vont rentrer bientôt dans le champ de nos caméras fixes. Voyez notre hélicoptère qui travaille ici et qui suit les trois hommes de tête. Nous allons rejoindre Richard Diot avec Merckx, Poulidor et Ocaña. En rappelant qu'Eddy Merckx possède sur Ocaña 2,56 d'avance au classement général et 6,29 sur Raymond Poulidor. À vous, Richard. Effectivement, pour l'instant, ils sont toujours tous les trois côte à côte. Maintenant, Ocaña revient de temps en temps à la hauteur de Merckx, peut-être pour regarder le porteur du maillot jaune, pour voir comment il se comporte, s'il est toujours aussi prêt. Pour l'instant, Merckx n'est absolument pas inquiet, contrairement à ce que nous avons pu voir ce matin. Au départ, Merckx était inquiet, il répondait aux journalistes et il a même éprouvé quelques difficultés à répondre à Luc Varenne, ce qui est assez rare, il faut le reconnaître. Merckx, Poulidor, Ocaña, toujours les trois hommes en tête et toujours les mêmes positions sur la route, ça c'est drôle. Merckx au milieu entre Poulidor à gauche et Ocaña, porteur du maillot blanc à droite. Derrière là, à 20 mètres toujours, les trois hommes, Van Impe, Agostinho, Martinez et un quatrième qui vient de réapparaître, Thévenet qui s'arrose la nuque, vous le voyez peut-être de l'hélicoptère. 4 derrière, à 15 mètres maintenant de Poulidor, Merckx et Ocaña. Je pense que sous l'impulsion de Van Impe, un nouveau regroupement va s'effectuer en tête. Van Impe n'est plus qu'à 10 mètres à peine en compagnie de Agostinho, Martinez et Thévenet qui a été légèrement distancé. Mais une accélération en tête de Raymond Poulidor va peut-être empêcher Van Impe et ses camarades de revenir sur ces trois coureurs de tête, Poulidor, Merckx, Ocaña. Je m'étonne que Ocaña n'ait pas porté une nouvelle attaque, qu'il n'ait pas démarré de nouveau alors que nous sommes maintenant à moins de 2 km du sommet, que nous apercevons l'observatoire et que le dernier kilomètre, comme vous l'avez dit, que la route est complètement dans la rocaille. Van Impe, Agostinho et Martinez rejoignent de nouveau Merckx, Ocaña, Poulidor. 6 coureurs en tête alors que Thévenet là va peut-être revenir, Thévenet qui souffre beaucoup. Thévenet qui est à 10 mètres à peine des 6 hommes de tête, Poulidor, Merckx, Ocaña, Van Impe, Agostinho et Martinez. Attention, afin que nos téléspectateurs puissent voir justement cet effort, eh bien je dois dire que l'ordre que vous venez de donner et l'ordre que nous allons garder jusqu'au sommet restera celui de gauche à droite sur notre écran, c'est-à-dire du côté extérieur de la route vers l'intérieur, à savoir Poulidor, Merckx, Ocaña. Ce sera la meilleure façon de les reconnaître, mais ils sont déjà, évidemment, avec leurs maillots différents, aisément reconnaissables pour ceux qui suivent tous les jours le cyclisme. Denis Ferbey, avez-vous un nouvel écart, surtout avec le groupe Gimondi et le groupe Zoutmelk, Gimondi, Zoutmelk, en particulier, Ocaña vient de démarrer, oui. Oui, il y a un démarrage là en tête de la course, il s'agit d'un démarrage de Thévenet qui est revenu comme une fusée qui a passé les 6 hommes en injection et qui maintenant possède 50 mètres d'avance. C'est surprenant, Thévenet était en train de souffrir, on peut le dire, là derrière les 6 coureurs de tête. Il est venu d'un seul coup à la hauteur, il ne s'est même pas arrêté. Il a démarré sous leurs yeux et personne n'a répondu. Thévenet est pour l'instant seul en tête devant Poulidor, Merckx, Ocaña, Van Impe, Agostinho et Martinez. Thévenet qui est là-bas maintenant avec plus de 50 mètres d'avance, c'est Merckx qui assure le train, qui fait le gros travail dans cette échappée, aux côtés de Poulidor à gauche et de Ocaña à droite. Les trois autres coureurs, Van Impe, Agostinho et Martinez, ne mènent pas, ils ont déjà assez de difficulté comme ça pour suivre le rythme. Je ne sais pas si Ocaña va tenter de revenir sur Thévenet, ce serait une bonne solution, cela permettrait à Ocaña d'être secondé en quelque sorte par Thévenet, s'il parvenait d'abord à lâcher Merckx et Poulidor et à revenir sur Thévenet. Je ne sais pas si Ocaña va réussir à
se dégager de ce groupe et surtout à se débarrasser d'Eddy Merckx. Je ne le pense pas maintenant, bien que Merckx commence, à mon avis, à peiner légèrement. Oh, ce n'est qu'une impression. Mais il faut dire que Ocaña n'est pas tout à fait non plus à son aise actuellement. Le mieux, à mon avis, pour l'instant, c'est encore Raymond Poulidor qui monte très facilement. Van Imp et Martinez, eux, sont de nouveau distancés. Et Agostinho reste péniblement dans la roue de Merckx. Ocaña et Poulidor qui ont changé leur position sur la route. Poulidor est passé à droite, mais il repasse de nouveau à gauche. Nous allons passer Van Imp. Roger Falaise, ce n'est pas... Faussons pas la course. D'ailleurs, Van Imp est à bout de force maintenant. Agostinho est de nouveau légèrement distancé, alors que Thévenet, là-bas, maintenant, avec 100 mètres d'avance, à un peu plus d'un kilomètre de l'arrivée. Je ne sais pas si Thévenet va réussir à conserver cet avantage. Ce serait véritablement une performance, on peut même dire un exploit pour ce coureur blessé qui a la tête ensanglantée, enfin du moins qui avait eu la tête ensanglantée il y a quelques jours. Richard, je vais demander à notre caméraman de l'hélicoptère et à Gilbert Larrega de le prévenir, de faire stabiliser peut-être l'hélicoptère ici, alors que vous voyez les hommes monter la balle et lacet, de façon à ce que nous puissions faire un écart à moins de 2 km de l'arrivée. Top, Thévenet a disparu à gauche de votre écran. Les poursuivants, c'est-à-dire Ocaña, Merckx, Poulidor et Van Imp, sans oublier Agostinho qui semble être lâché, vont à leur tour passer. Voilà, nous restons sur place, vous voyez, et cela nous permettra sur l'inscription blanche qui est à droite sur l'écran ici où les hommes vont arriver. Top, exactement 18 secondes d'écart entre Thévenet et le groupe Merckx, Ocaña, Poulidor, auquel doit se joindre vraisemblablement Van Imp, alors qu'Agostinho semble, avec son maillot de champion du Portugal, au bas de l'écran ici, lâché. Je vous confirme, Richard, que nous travaillons toujours avec nos vues d'hélicoptère et que les hommes vont alors nous montrer maintenant l'écart 18 secondes. Les hommes vont arriver à la flamme rouge du dernier kilomètre, donc rentrer dans le champ de nos caméras fixes. Toujours Thévenet, vous vous souvenez que c'est le vainqueur de la Mongie il y a 2 ans, un grand champion, un grand courage, il l'a prouvé dans les Pyrénées. Et regardez cet homme seul sur les pentes ici, je ne sais pas s'il sera rejoint, en tout cas il a profité d'un contre après avoir fourni l'effort et monté à sa main pour revenir sur Ocaña, Merckx et Poulidor notamment. Il n'a pas attendu le contre possible d'un Ocaña, il est parti tout seul, vous l'avez vu, alors qu'on pensait justement que Ocaña lui allait provoquer ce contre de façon à lâcher ceux qui venaient de se joindre au groupe de tête. Pour l'instant donc, en rappelant que Thévenet est à 10.38 au classement général, assez loin, vous le voyez, après ces incidents et ces accidents des Pyrénées, Thévenet, 8e à 10.38 exactement, fera vraisemblablement une grande étape, mais je ne pense pas que l'écart soit assez grand, il n'est que d'une vingtaine de secondes maintenant pour changer grand chose au classement général. Ce sera peut-être une étape pour rien, du moins en ce qui concerne Eddy Merckx, en ce qui concerne Ocaña, en ce qui concerne Poulidor. Zoutmelk est assez loin, lui ce sera l'un des perdants de la journée. Thévenet fera une bonne opération, Van Imp ne sera pas loin des premiers. Quant à Martinez, il doit naviguer un peu plus loin en arrière. Toujours dans la rocaille ici, dans les derniers kilomètres. Vous êtes peut-être avec le groupe Merckx, Richard. Oui, effectivement, je suis resté avec le groupe Merckx. J'aperçois Thévenet là-haut, mais il y a un petit changement. Jean-Michel, c'est Martinez qui est en compagnie de Poulidor, de Merckx et de Ocaña. Derrière, Agostinho a été lâché un peu plus loin. Van Imp a définitivement lâché prise. Nous allons nous mettre aux côtés là de... des 4 coureurs qui sont derrière Thévenet. Agostinho, lui, est définitivement lâché, je pense, maintenant. Agostinho souffre beaucoup. Agostinho, qui est pourtant généralement à l'aise sur les pentes du Mont Ventoux. Nous approchons du dernier kilomètre alors que la route se rétrécit. Il y a de plus en plus de monde, tout juste 2 ou 3 mètres pour permettre le passage des coureurs. Toujours la même situation derrière Thévenet, seul en tête. Poulidor à gauche, Merckx au milieu, Ocaña à droite et légèrement derrière le coureur de Jean de Grimaldi, l'Espagnol naturalisé français Mariano Martinez, qui réussit là aussi une excellente performance. C'est une confirmation pour ce jeune coureur de l'équipe de Guillaume Driessen. Je ne pense pas maintenant que Luis Ocaña puisse lâcher Merckx. Ce sera, je pense, la grande leçon de l'ascension du Mont Ventoux. Il y a beaucoup d'Espagnols ici, mais je ne pense pas maintenant que Ocaña puisse lâcher Merckx, à moins qu'il force un démarrage, une attaque dans le dernier kilomètre que nous franchissons là précisément à ce moment. Plus que 1000 mètres avant l'arrivée, beaucoup moins pour Thévenet, qui est toujours seul en tête et qui va, je pense, pouvoir remporter cette étape. Il a maintenant un avantage substantiel qui pourra certainement lui éviter le retour de Merckx, de Ocaña, de Poulidor et de Martinez. Les gens arrosent les coureurs, les spectateurs prennent beaucoup de risques en se penchant. Ils risquent non seulement de faire tomber les coureurs, mais aussi de percuter une moto de photographe ou de
reporter, c'est toujours très dangereux. Vous pouvez peut-être voir dans l'hélicoptère que la route n'est plus large que de 2 mètres pour permettre le passage derrière Thévenet, de Merckx, de Cagna, de Poulidor et de Martinez. Ils sont maintenant à 600 ou 700 mètres de l'arrivée. Je pense que vous allez rentrer dans quelques instants dans le champ des caméras fixes de Gilbert Larriaga, et je pense de toute façon que nous n'aurons plus maintenant la moto HF pour suivre le dernier kilomètre. Richard, oui, je vais demander à Denis Ferdel les dernières informations en ce qui concerne les Ezotmelk et Gimondi s'il en possède, et je vais demander aussi peut-être à Gilbert Larriaga de nous montrer dans les derniers mètres l'écart entre Thévenet et le groupe Poulidor Merckx-Cagna. Mais vous voyez que Thévenet arrive maintenant, nous sommes trop près de l'arrivée pour vous montrer l'écart. L'écart, ce sera le chronomètre tout à l'heure qui le dira, et Bernard Thévenet est en train de réaliser la grande performance, rares sont ceux qui l'avaient mis ce matin premier étant donné ses blessures de la veille, la grande performance du Tour de France, du moins dans ce Ventoux, car il y en aura vraisemblablement d'autres. Thévenet seul en tête à moins de 500 mètres de la ligne maintenant, applaudit comme il se doit bien évidemment. Vous avez entendu tout à l'heure à 150 mètres de la ligne exactement, vous avez entendu les spectateurs hurler au bord de la route, et Thévenet franchit les 100 derniers mètres alors que nos motomaîtrises doivent être vraisemblablement déviées. Il va franchir la ligne avec une avance d'au moins 30 secondes. Il est à 10-38 au classement général. À l'aise, Thévenet, vous le voyez, il a monté à sa main. J'ai l'impression même qu'il n'a pas forcé. Il est un français car il arrive décontracté. Top pour Thévenet. Il arrive décontracté. Il porte encore à la tête la blessure de la descente des Pyrénées. Vous vous souvenez qu'il avait même perdu au moment de l'arrivée à Pau entièrement connaissance sur son vélo, avançant comme un automate. Et pour l'instant, 15 secondes de décart, alors que la place de deuxième n'est pas encore jouée. Elle va se jouer ici dans les derniers mètres. Je donnerai Van Impe peut-être, à moins que Merckx essaye de puiser après ce forcing qu'il a assuré pendant de nombreux kilomètres dans ses dernières réserves pour assurer une deuxième place. Rappelons qu'il n'y a pas de bonification au classement de cette étape. C'est bien Merckx, top pour Merckx à 32 secondes. Ensuite arrive Ocaña. Ocaña, top à 38 secondes. Ce sont évidemment des temps officieux que je vous donne ici, mais Ocaña ce soir au classement général sera à plus de 3 minutes. Il était à 2,56. Attention pour Poulidor. Top Poulidor à 50 secondes. Premier Thévenet, deuxième Merckx, troisième Ocaña, quatrième Poulidor. Alain Juin est en train de noter pour Martinez. Top 1 minute Martinez maintenant, qui lui aussi a fait une merveilleuse ascension alors qu'il y a un petit moment d'affolement sur la foule. Les voitures se précipitent, les voitures du directeur sportif, pour essayer de récupérer leur coureur dès après l'arrivée. Agostino à son tour dans les derniers mètres, on l'attendait un peu plus en avant aujourd'hui pour Agostino. Top au chronomètre, 1:17 pour Agostino. Van Impe juste derrière, Van Impe top, 1:24. Indébattu aujourd'hui, on l'attendait en meilleure position, peut-être capable de rivaliser avec Merckx. Quant à Ocaña, après ses démarrages que vous avez suivis, vous en avez suivi deux ou trois, eh bien s'il n'a pas pu lâcher Merckx, et que tout simplement Merckx est en grande forme, on le savait depuis le départ de ce Tour de France, et qu'il vaut, c'est ce qu'on confirmait d'ailleurs dès le départ, qu'il vaut et diverge dans la montagne. Attention pour Gimondi, top, 1:45, 1:45 pour Gimondi maintenant, depuis l'arrivée de Bernard Thévenet, l'arrivée d'un autre homme ici, c'est Zotmelk, encore l'un des perdants. Top pour Zotmelk avec 1:54 à 1:56. Édouard Janssen qui ouvre la bouche à la recherche de l'oxygène. Il y a pour l'instant Édouard Janssen après Gimondi, Alain, et le maillot vert de Guimard. C'est prodigieux ce que fait Guimard. Top pour Guimard à 2 minutes 07. C'est sa meilleure ascension vraisemblablement. Il a prouvé aujourd'hui qu'il vous pouvait aussi rivaliser avec les grands. Et il a conservé, consolidé son maillot vert. Puisque tous les sprinteurs du Tour de France, c'est le seul à être déjà arrivé. Guimard a failli l'ascension et pousse soufflante derrière. Sachez qu'il n'a perdu que 2 minutes en 21 km d'ascension. Le classement, Thévenet en deuxième position, Alain Juin à 32 secondes, Eddy Merckx à 38 secondes au Cagna. Ce sont des temps officieux, le chronomètre que j'ai déclenché moi-même ici sur la ligne d'arrivée. À 50 secondes, Poulidor. Je vais demander à Richard Diot d'essayer de recueillir les premières impressions de Bernard Thévenet. À 1 minute, Martinez. À 1:17, Agostino. À 1:24, Van Impe. À 1:45, Gimondi. À 1:54, Zoutmelk. À 1:56, Edouard Janssen. Et à 2:07, Guimard. Pour l'instant, ils sont 3 et 3, 6 et 3, 9 et de 11 à être arrivés, à avoir franchi la ligne ici. Et j'ai l'impression, ce sera déjà un premier bilan, il faudra évidemment recueillir aussi les impressions des coureurs, ce sont les premiers intéressés. J'ai l'impression que cette ascension est moins terrible que celle de l'autre côté. Attention pour un nouveau garçon ici, il arrive, c'est Bernard Laboudette, le Pyrénéen, Bernard Laboudette. Il arrive avec 3 minutes 12 secondes de retard. 3 minutes 12 secondes pour Labourdette. D'autres garçons dans les derniers mètres se sont délâchés. Ce sont des garçons dont on attendait peut-être mieux, mais en tout cas les grimpeurs sont
sont presque tous arrivés. Regardez Mortensen ici en plein effort dans les derniers mètres. Lui, Mortensen, est un garçon des pays plats. C'est un grand gabarit, il n'est pas spécialement avantagé. Il n'aime pas la montagne. C'est bien lui, le Dossard 61. Top pour Mortensen à 3 minutes 37 secondes. Et ils sont 13 à avoir franchi la ligne d'arrivée. Qui sera le 14e? La caméra fixe va nous le dire ici. Près du podium, moins de 200 mètres encore ici pour... vraisemblablement Vandeville, je n'en suis pas sûr. C'est un peu la surprise d'ailleurs, car ce garçon figurait avec les premiers dans les 10 derniers kilomètres de l'ascension, non pas avec les premiers mais disons dans le groupe des premiers lâchés. C'est peut-être Ubrecht, je ne vois pas pour l'instant, Yvézard j'ai l'impression, et puis Vandeville dont je vous parlais tout à l'heure, c'est bien cela. Ils arrivent eux avec Mendes le portugais, Hésard dans l'ordre, et puis De Schoenmaker. Ils arrivent avec approximativement 4 minutes 5 secondes de retard. C'est bien Prinsen qui est arrivé aussi juste derrière Mortensen. Van den Bosch et Hésard. Non, c'était De Schoenmaker, j'ai l'impression, à moins que je n'ai pas vu arriver Van den Bosch. Et c'est Svert qui, à son tour, franchit la ligne à 4 minutes 30 secondes. Svert à 4 minutes 30 secondes derrière Hésard. Oui, Richard, vous avez peut-être Thévenet. Je vais vous demander encore un petit instant de patience, car je crois que nous allons suivre les 25 premiers de cette ascension, du moins ceux qui sont encore très loin, car le chronomètre est déclenché maintenant depuis 5 minutes, Richard. Et je vais vous demander de patienter un instant pour recueillir les impressions de Thévenet, car ils sont encore nombreux à franchir la ligne. Ici, c'est un Italien, du moins un garçon de l'équipe Salvarini, mais c'est un Belge, Ubrecht, à 5 minutes 4 secondes pour Ubrecht. À vous, Richard. Je suis en compagnie de Luis Ocaña. Je demandais à la caméra numéro 1 de se tourner au milieu de la route. Là, je pense que le caméraman va pouvoir me voir maintenant en compagnie de Luis Ocaña. Luis Ocaña, une ascension très difficile, je crois, aujourd'hui. Je pensais que ça allait être plus difficile. Pour moi, ça s'est très bien passé. J'avais peur d'avoir beaucoup plus mal à ma jambe. J'ai tenté ce que j'ai pu, mais je n'étais pas soutenu, alors c'est pour ça que je n'ai pas insisté davantage. La grande leçon de ce Ventoux, c'est quoi exactement, Luis Ocaña? La grande leçon, c'est que Eddy marche très très fort, et ma foi, moi, ce n'est pas tout à fait ça. C'est pas comme l'année dernière encore. Vous pensiez reprendre un peu de votre retard aujourd'hui, vous l'avouez, je pense, Luis Ocaña? Non, c'est-à-dire qu'après ma chute, tout a été remis en question, et... Normalement, le Ventoux était un des points que je m'étais fixé avant le départ, mais après ma chute, tout a été modifié. Ça ne veut pas dire que vous renoncez à toute ambition, Luis Ocaña? Non, pas du tout, la course n'est pas finie, j'espère qu'il y aura d'autres occasions. Demain à Orcières peut-être? C'est un beau souvenir pour vous. Ce que je pourrais, tant que... Mais quand ma condition revienne, je tenterai le tout pour le tout. De toute façon, je ne suis pas là pour faire le second. Merci Louis, je pense que nous nous retrouverons demain à l'arrivée à Orcières. Je vais essayer d'avoir Thévenet, Jean-Michel. Oui Richard, alors je vous donne une information. Thévenet est dans l'ambulance. Je pense qu'il a été victime de son trop gros effort. Vous savez qu'avec les raréfactions d'oxygène ici, il y a parfois des difficultés pour respirer pour les hommes. Vous vous souvenez de l'arrivée de Merckx et de Van den Bosch. Et je vous confirme le classement. Premier Thévenet, deuxième Merckx à 34 secondes. Je crois que c'est là le classement officiel que vient de m'apporter Denis Ferdet. En troisième position, Ocaña à 39 secondes. En quatrième position, Poulidor à 51 secondes. En cinquième position, Martinez à 1.01. En sixième position, Agostino à 1.18. En septième position, Van Imp à 1.25. En huitième position, Gimondi à 1.45. 46 exactement. En 9e position, Zotmelk à 1.55. Vous voyez que nous n'étions pas trompés de beaucoup, d'une seconde ici pour Zotmelk. En 10e position, à 1.58, Janssen. Ensuite, nous trouvons Guimard en 11e position à 2 minutes 09. En 12e position, Labourdette à 3 minutes 13. En 13e position, Mortensen à 3 minutes 38. En 14e position, Prinsen, le petit grimpeur hollandais, à 3.55. Ensuite, nous trouvons Van den Bosch à 4 minutes, Hésard à 4.10, Svert à 4.30, Ubrecht à 5.04, à 5.25. C'est un garçon de l'équipe Gutschmitov, je crois. Il s'agit de Tino Tabak, le champion de Hollande, puis arrive dans l'ordre derrière, avec tout le groupe des premiers battus, Valscholg, Katio, etc. Eddy Merckx est à mes côtés, je vais en profiter pour recueillir ses impressions, et je vous demanderai ensuite, Richard, peut-être, de me donner les impressions des docteurs quant à l'état actuel de Bernard Thévenet. Eddy Merckx qui a fait une ascension remarquable, vous le savez, et
Je pense qu'aujourd'hui, c'est une bonne journée pour lui, monsieur Théo, directeur du journal belge Le Sport. Je vous demandais de vous pousser, merci. Eddy, vous avez l'air surposé qu'en 70, en tout cas. Est-ce que l'ascension est plus facile de ce côté? D'abord, une question. Oui, je pense que l'ascension de ce côté-ci est plus facile que de l'autre côté. Et je dois dire que, bien sûr, l'étape aujourd'hui a été courue assez bizarrement parce qu'il y avait toujours le vent contraire et c'était assez dur quand même. Alors je crois que tous les coureurs étaient bien frais au pied du Ventoux et ça a démarré assez vite en bas. Et je crois que, oui, nous sommes restés à trois hommes, Polido, Ocagna et moi-même. Et, est-ce que vous avez eu peur du démarrage de Louis? Bien sûr, Ocagna avait tenté à maintes reprises d'attaquer, mais enfin, je dois dire que j'ai jamais été en difficulté et j'ai toujours pu répondre aux attaques d'Ocagna. La performance de Poulidor est étonnante aussi. Il vous a tenu la dragée haute pendant plusieurs kilomètres. Ben oui, certainement. Je veux dire que Raymond Poulidor a fait une très très belle ascension du Mont Ventoux. Il a vraiment très très bien marché. Je crois que s'il avait couru d'une autre manière, par exemple, c'est-à-dire couru un peu comme Thévenet l'avait fait, je pense qu'il aurait bien pu gagner l'étape. Eddy Merckx, je sais que vous êtes un garçon prudent, vous ne vous avancez jamais dans les pronostics. Je vais demander à Richard qui m'appelle ici d'attendre encore une seconde pour avoir les dernières impressions d'Eddy. J'ai l'impression, on l'avait dit déjà, que ce Tour de France devait se jouer, l'une des phases importantes du Tour devait se jouer ici. C'est prouvé, vous avez devancé Luis Ocaña. Est-ce une grosse part maintenant de la victoire finale qui est acquise? Ben écoutez, je pense que c'est encore bien trop tôt pour parler de victoire finale, mais je veux dire que parce que le plus dur du Tour reste encore à faire, mais enfin je crois qu'aujourd'hui j'ai vraiment bien marché et vraiment je suis vraiment content. Merci Eddy et bravo encore une fois. Richard, à vous. Oui, effectivement, je vais demander de nouveau à la caméra numéro 1 de s'éloigner un petit peu. Nous sommes devant l'ambulance après la ligne d'arrivée avec Bernard Thévenet pour un malade, pour un blessé. Vous portez pas trop mal, Bernard? Oui, j'ai encore souffert un peu aujourd'hui, surtout avant le ravitaillement, mais mes équipiers m'ont très bien encouragé. Ils m'ont très bien aidé jusque-là. Après, j'avais un peu plus le moral. En montant, je ne me suis pas trop affolé. J'ai préféré monter à un bon train plutôt que d'essayer de filer Merckx et Ocaña qui, lorsqu'ils s'attaquaient, ils étaient un peu au-dessus quand même. Hein. Et je pense qu'ils ont peut-être fait un effort, des efforts trop violents, Richard, pour s'attaquer. Je vais vous demander une chose. Après, j'ai pu en profiter sur la fin. Quand vous avez été lâché à 2 km du sommet, même un peu plus, vous pensiez que vous étiez capable de gagner cette étape? C'est-à-dire que je n'ai jamais vraiment, vraiment désespéré. J'ai toujours espéré que ça fléchirait un peu devant, que je pourrais revenir. Mais je ne pensais pas gagner l'étape. Et demain, Orsia, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez essayer de renouveler? Je crois que demain, ce sera très dur pour moi parce que aujourd'hui, j'avais quand même encore mal aux reins. J'ai dû faire un effort vraiment total, vraiment violent pour remporter cette étape. Et j'ai un peu peur d'être encore marqué demain. Ça dépend comment la course, ce sera dur demain. Merci Bernard. À vous Jean-Michel. Je vais me précipiter sur la tribune, je crois. Richard, oui, je vais vous demander d'ailleurs, gardez Bernard Thévenet avec nous, je vais vous demander de l'amener à la tribune, car il y a face au tour et Félix Lévitant ne pourra pas être des nôtres tout à l'heure. Par conséquent, il doit descendre immédiatement sur Carpentras et je vais vous demander d'amener Bernard Thévenet à la tribune de façon à animer ce face au tour. Et je vais également demander à Eddy Merckx, qui est à côté de nous, de se joindre à Bernard Thévenet, aux deux grands bons hommes, on peut le dire, aux deux grands hommes même de cette escalade du Ventoux. Merckx a confirmé ce que je vous disais tout à l'heure, l'escalade de ce côté était moins importante. Eddy Merckx est pour l'instant ici à côté. J'espère que nous pourrons tout à l'heure l'emmener à face au tour. Et je vous rappelle le classement de cette étape. Premier Thévenet, deuxième Merckx à 34 secondes, troisième Ocaña à 39 secondes de Thévenet, ce qui fait qu'au classement général, Merckx a encore repris exactement 5 secondes à Ocaña, et qu'au classement général donc, pour l'instant, Ocaña doit être exactement à 3 minutes 01 de Merckx. Premier Thévenet de cette étape, deuxième Merckx à 34 secondes, troisième Ocaña à 39 secondes, quatrième Poulidor à 51 secondes, cinquième Martinez à 1,01, sixième Agostino à 1,18, septième Van Imp à 1,25, huitième Gimondi à 1,46, neuvième Zotmelk à 1,55, dixième Janssen à 1,58. Un mot sur le classement général, Thévenet, Merckx est en tête du classement général avec exactement 3,05 d'avance sur Ocaña, me dit Moïse Puginier, et 4,51 sur Gimondi. Poulidor doit faire lui aussi une bonne opération. Nous nous retrouvons dans un instant avec Face au Tour, et c'est sur cette image d'une montagne pelée, d'une montagne chauve qui a encore rendu aujourd'hui un verdict logique que nous allons nous séparer. Rendez-vous donc à la tribune dans un instant. C'était une réalisation de Gilbert Larriaga, commentée par Richard Diot et Jean-Michel Ledieu, avec la collaboration technique de Roger Valla. Je ne me souvenais plus de son prénom. Merci de votre attention.
Eh bien, ce sera donc face au tour dans un instant. Il faut que Richardio récupère Thévenet, le premier de cette étape, alors que d'autres coureurs, et ce sera aussi notre possibilité de voir le visage des derniers arrivants, Marino Basso, lui vient de franchir la ligne, avant même que de pouvoir travailler normalement à la tribune, où notre ami Fred De Bruyne va nous rejoindre. Marinus Wackmans va répondre sur le podium aux questions de nos confrères de la télévision hollandaise. Et à une question qu'on me pose, je répondrai non, je n'ai pas le temps des arts. Pour l'instant, le temps officiel, du moins, en tout cas nous avons donné les 12 premiers de cette étape, qui, après tout, on pourrait presque le dire, une montagne, aujourd'hui, a accouché d'une souris. Une souris peut-être pas, car Merckx, en réussissant à devancer de 5 secondes Luis Ocaña, a prouvé que ce Tour de France montagneux, il comptait bien le remporter dans la montagne. Lui, un garçon que l'on considère comme un grimpeur excellent, un grimpeur peut-être moins évident que Luis Ocaña, mais un grand grimpeur quand même. Et ce sera vraisemblablement, si Merckx réussit à ramener le maillot à la cipale, l'une de ses plus belles victoires, l'une de ses plus difficiles, si Luis Ocaña retrouve la condition avant les Alpes et les étapes importantes des Alpes. Vous voyez que les écarts sont considérables, car malheureusement je n'ai plus pour l'instant le chronomètre ici à mes côtés, mais ces écarts sont assez fantastiques. Des hommes franchissent la ligne à leur tour, la plupart du temps des Hollandais qui n'aiment pas ce genre d'effort. Je pense que je vais pouvoir retrouver mon chronomètre. Il est perdu pour l'instant. Et c'est un peu la foule ici qui s'occupe maintenant de la route, alors que si mon chronomètre n'est pas arrêté, eh bien non, il n'est pas arrêté. Tous ces hommes qui franchissent la ligne sont arrivés avec 16 minutes et 30 secondes de retard sur Bernard Thévenet. Bernard Thévenet qui doit être maintenant avec Richardio, et il y a également Eddy Merckx. Nous avons demandé à notre confrère Fred De Bruyne de venir apporter son grain de sel, un grain de sel flamand, mais le grain de sel d'un garçon que tout le monde a connu, je pense, dans le cyclisme actuel, car il a illustré de belle façon ce métier de champion. Richard, vous êtes avec Eddy Merckx, et Eddy Merckx a l'air quelque peu irrité, là, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que le docteur Dumas lui demande de se rendre au service médical pour procéder à l'analyse traditionnelle. Parmi nos invités ce soir, vous l'avez vu, Fred De Bruyne, ancien champion, aux côtés de Bernard Thévenet et de Eddy Merckx. Bernard Thévenet qui a remporté cette étape donc devant Eddy Merckx. Eddy Merckx, je crois que c'est une très bonne journée pour vous. Je pense que vraiment, lui, c'était quand même une journée très très dure, et puis une arrivée comme ça au sommet du Ventoux, je crois que je suis très content parce que vraiment j'ai bien réussi contre les attaques d'Ocaña et j'ai bien terminé l'étape. Ocaña a attaqué à maintes reprises et vous êtes revenu assez facilement, il faut le reconnaître, sur l'Espagnol. Il semble que vous êtes véritablement en très grande forme actuellement. Écoutez, je veux dire que bien sûr je suis en très bonne condition et effectivement Ocaña a attaqué plusieurs fois, mais je vous dis encore une fois, j'ai jamais été vraiment en difficulté. Vous n'avez jamais eu peur en fait de perdre le contact avec Luis Ocaña? Non, pas pour le contact, non. J'espérais sous la fin, bien sûr, que Laurent doit attaquer. Comme ça, peut-être que j'aurais pu contre-attaquer, mais enfin. Puis Bernard Thévenet est venu de l'arrière et il a tout de suite attaqué. Alors, j'ai pas voulu prendre aucun risque pour la victoire d'étape, pour essayer de gagner l'étape, parce que je crois que en voulant peut-être contrer Thévenet, Ocaña, on n'aurait peut-être pas pu profiter. Alors, j'ai préféré jouer sûr. Fred De Bruyne, si Merckx a le sourire maintenant, en revanche ce matin il était inquiet. Mais il est toujours nerveux, je le connais. Moi, avant le départ, je ne vais jamais le voir parce qu'il est trop nerveux, mais je sais après l'arrivée, il est gentil. Mais je voudrais poser une question à lui. Je t'en prie. Eddy, est-ce que tu as modifié un peu ta position, parce qu'on parle parfois pas mal de dépositions, des rapports, des roues et tout ça. Pour cette étape, tu as fait quelque chose de spécial? Non, rien de spécial, parce que je veux dire que, bien sûr, j'ai dû changer de vélo, parce que hier, avec la chute, mon arrière-train était plié, alors je ne pouvais plus conduire avec mon vélo, j'ai dû changer de vélo, mais enfin, j'ai gardé uniquement la même position que j'avais sur le vélo, et je crois que, en grande partie, ma meilleure condition physique, et c'est aussi une question de, que l'année passée, je changeais beaucoup trop de position, et je changeais beaucoup de vélo, et question ici, vraiment... C'est un vélo au même code que celui que vous avez abîmé hier dans la chute de Montpellier. Oui, exactement, oui, c'est un vélo au même code. Mais au fond, oui, de la chute, t'as eu mal aujourd'hui?
En début d'étape, j'étais assez inquiet parce que j'avais quand même passé pas une trop bonne nuit. Et puis après une chute comme ça, le lendemain matin, on est toujours fort raide. Mais je veux dire, au cours des kilomètres qui passaient de l'étape, ça allait mieux. Alors, j'étais confiant. Je crois qu'on m'a demandé à Eddy Merckx quelle est la grande leçon en fait de cette escalade du Ventoux, Fred De Bruyne. Quelle est la grande leçon pour vous, Eddy Merckx? Je vous dirais la grande leçon, bien sûr. Avant tout, c'est que pour moi, ça me donne confiance, car je veux dire que c'est quand même un point d'interrogation d'arriver au sommet comme ça. Et je suis vraiment satisfait aujourd'hui et confiant. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir que vous avez gagné le Tour de France? Absolument pas. Certainement pas, le Tour de France n'est certainement pas fini, il reste encore bien des jours et je crois que le plus dur doit encore venir et le Tour de France n'est certainement pas gagné. En dehors de Luis Ocaña, quel est le coureur qui vous a fait le plus d'impression? Peut-être Poulidor qui est resté avec vous tout près du sommet, non? Ben oui, certainement Poulidor, parce que je crois que si Poulidor avait couru peut-être comme Thévenet, il aurait aussi peut-être pu remporter la victoire d'étape. C'est votre avis à vous, Fred, que... J'ai pas compris là. Non, j'ai demandé à Eddy Merckx, en dehors de Luis Ocaña, quel est le coureur qui a fait le plus d'impression, et Eddy Merckx m'a répondu Poulidor, tout simplement. Eh ben pourquoi pas, parce que c'est le plus vieux de... C'est le plus vieux et il est toujours là parce que j'ai couru avec lui encore. On pourrait peut-être passer au vainqueur de l'étape. Je m'étais en train de rigoler là quand vous avez posé la question sur Ocaña. Qu'est-ce que Bernard a répondu là? Eh bien, Eddy disait qu'il n'était pas venu me chercher. J'ai dit justement, j'ai vu clair parce que j'ai vu que c'était Eddy, que c'était Eddy qui faisait le principal du travail dans l'échappée. Et, au pied du Ventoux. Il a fait rouler son équipe très très fort, et lorsque Ocaña a attaqué, j'ai pensé qu'il faisait des efforts un peu trop violents. Je ne me suis pas affolé, c'est pour ça que j'ai presque toujours cru que je pouvais arriver avec eux. Et lorsqu'à 3 km du sommet, je suis resté un petit moment derrière pour récupérer, et j'ai bien regardé, j'ai vu que c'était toujours Eddy qui roulait. Et j'ai pensé que si j'attaquais par surprise, ce serait à Eddy que les autres laisseraient faire le travail à Eddy. Et comme je suis à 10 minutes, Eddy n'allait pas s'exposer à un contre. Bravo. Alors j'ai attaqué et effectivement, ça c'était bon. Bravo. Je crois qu'il faut rendre l'entraîne, Fred De Bruyne, pour ce face au tour un peu improvisé en compagnie de Fred De Bruyne, notre collaborateur de la Belgique, d'expression flamande, de Bernard Thévenet, le vainqueur de l'étape, et de Eddy Merckx, toujours maillot jaune, que nous retrouverons peut-être demain dans la fameuse étape d'Orcières-Merlette. Merci de votre attention. Ici, le sommet du Mont Ventoux, à vous Paris.